Coucou, alors je reviens vers vous pour me faire le porte-parole de cet album qui n'a rien de spécial, hein. C'est juste pour vous en montrer la décoration. C'est les fameux que j'adore relier comme ça, hein, parce que c'est un gain de temps pas possible. C'est beaucoup plus pratique que les reliures, etc. Donc voilà. C'est un album que j'ai fait à partir de photos et de ce que je ressens. Voilà. Donc. Dessus, c'est toute une collection là que j'ai utilisée déjà pour un autre album qui est parti aussi ailleurs. On a Today is the Day, c'est-à-dire que c'est le nom de l'album. Là, on a de l'autocollant peel-off, ça fait des petites fleurs, ça revient avec les fleurs, mais comme c'est un album aussi où on peut retrouver des figures masculines. Je vois pas trop l'intérêt d'aller mettre trop de fleurs non plus. Hein. Donc là, on a la fameuse découpe qu'on m'a offert, Lovely Mum, avec un cadre. Et donc là, j'ai mis la petite photo de la maman concernée. Ah, attendez, je vais les ouvrir au fur et à mesure, hein, parce que les post-it, on a toujours des surprises que ça colle pas. Là, vous avez la première page, comme ceci, qui est avec du vélum, du montage. Une petite carte qui avait là j'ai remis un fond un peu vert noir, là un apron et là Enjoy the Little Things. Là j'ai remis à nouveau le fameux peel-off et là c'est un vélum action sur lequel on peut voir des cœurs dorés. Là vu que c'est en quinconce, hein, vous connaissez mon système. Là, vous avez en dessous d'autres photos, ce qui donne envie de voir l'autre photo aussi. Là, vous avez, est-ce qu'on voit rien? Oui, on voit rien. Une première photo, où je crois que j'ai mis que du peel-off sur le côté. Là, vous avez une autre photo. Cette photo-là m'a fait mourir de rire, soit dit en passant. Enfin, pas mourir de rire. Cette photo-là m'a... Voilà quoi, j'ai ressenti la pêche, l'énergie, j'ai adoré. Donc voilà. En haut, j'ai mis toujours ce petit peel-off. Là, j'ai mis smile et j'ai fait un petit rappel avec. Parfois, j'ai coupé avec cette perfo-là que j'ai eue chez Ali, que je trouve superbe, moi. Personnellement, je trouve que ça fait comme des lacets. Donc là, c'est une chute que j'ai coupée pour encadrer la photo. Là, on a. Je ne sais plus c'est laquelle celle-là. Si, je sais laquelle c'est. Alors là, j'ai fait une petite découpe, je vous montrerai après. C'est les feuilles comme ça, complète. Donc j'ai fait une petite découpe d'un cadre qui se trouvait sur le bord qui n'était pas fini. Hein. J'ai glissé derrière, j'ai mis la photo, j'ai remis là du peel-off. Et là, c'est pareil, j'ai mis un petit mot en peel-off qui correspond. Là, on a. Juste une découpe love comme ça. Voilà. Derrière, j'ai rhabillé, j'ai pris les fameux cadres et j'ai repris les photos qu'il y a un peu tout le long de l'album que j'ai tenté de recouper et de placer dans les cadres. Ah, ça n'a pas été facile. Et là, ça, c'est les découpes à l'entrée. Il est où? Du même ici. Vous savez que moi, j'ai repris. Le même qu'il y a là à l'intérieur suit la photo en fait. Comme j'ai posé la découpe sur la photo, le même et les cœurs se sont découpés. Je les ai enlevés, j'ai fait un encadré en doré et j'ai remis le même de la photo. Donc ouais, c'est rigolo parce qu'on voit le bras, on voit à un moment donné le bras. Bon, donc là, de ma découpe, il me restait ce fameux même que j'ai remis dans les cadres avec les petits cœurs. Voilà. Là, rien de plus qu'une feuille montage, hein, comme j'adore les faire, sur du vélum. Le vélum derrière, je le laisse brut, parce que ça passe très bien aussi. Là, c'est la page Hello Friends. Ah. C'est que des friends qui sont là. Une petite découpe là. Toujours ce motif noir et vert qui revient. Et là, j'ai le petit napperon aussi de la collection. Et là, j'ai remis le peel-off. Et là, pour finir, j'ai juste encadré d'un papier que moi personnellement je trouve très beau dans cette collection-là. J'ai remis une grosse photo et j'ai mis Love en dessous. Voilà. C'est un petit album pour marquer le coup. Moi, ça me tenait à cœur. Non, ben non, je vais pas le refermer parce que je vais enlever les post-it. Et je pense qu'il vaut mieux que je vous le présente. Voilà.
On va s'épargner les larmes à moi, à Bonnie, qui risque de pleurer en voyant la réception de ça. Et on va épargner les larmes de la personne qui va le recevoir. Hein? On fait les grandes là. On fait les grandes là, toutes les deux. Et voilà. Donc non, j'en fais pas le nœud, je vais enlever les post-it. Ma foi, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que en fait, maintenant, ça, faut le temps que ça parte. Ce que je ferai peut-être demain, c'est peut-être une petite carte qui va avec quand même pour accompagner ça. Donc demain, vous aurez, oui, certainement la carte parce que comme ça, la carte, elle peut passer anodinement. Peut faire une carte parce que tiens, il me toque encore une lubie à la Audrey de faire une carte. Voilà. Bon, j'espère que je me suis pas trop emmêlée parce que je sais pas quelle heure il est, mais. Je viens vraiment de finir là. Il est 1h59. Donc je suis fatiguée. Ma foi, je vous souhaite une bonne journée puisque je ne sais pas du tout quand sera diffusée cette vidéo. Bisous!